Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto très simple pour vous montrer comment réaliser ce Père Noël en origami. Peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous savez déjà le faire, mais moi j'avais envie de vous proposer ça en vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien entendu besoin pour cela d'une feuille rouge et d'une feuille blanche, de forme carrée, ici de taille 15 par 15 cm. Mais vous pouvez bien entendu changer ça, mettre du 10 par 10, du 20 par 20. Le tout, c'est que ça ne change pas trop au niveau du rendu. Vous aurez éventuellement besoin de colle à papier, d'un petit pompon pour faire le pompon du bonnet du Père Noël. Donc là, ça fait à peu près 5 mm. D'une règle, si vous voulez renforcer les traits, c'est plus pratique. Après, j'ai pris des marqueurs, un rouge, un noir et puis un stylo gel blanc pour faire les petits détails de mon personnage. Mais vous pouvez prendre des feutres, hein, ça marche aussi. Je vais également prendre éventuellement cette colle transparente à bijoux, mais vous pouvez prendre une colle transparente classique pour coller tout simplement le petit pompon et on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, vous allez mettre votre feuille rouge en arrière-plan et par-dessus, vous allez venir superposer votre feuille blanche. Alors soit vous pouvez les laisser comme ça, soit vous venez mettre un petit peu de colle à papier. Moi, c'est ce que je vais faire pour éviter que ça bouge. Donc après, vous mettez de coin à coin. Donc là, je mets un petit peu de colle à papier rapide un peu de partout. Parce que j'avais déjà fait un premier test avant, étant donné que j'ai pas trop l'habitude de faire tout le temps de l'origami, je suis pas hyper douée. Comme ça, vous ne vous sentirez pas seul. Donc, je viens positionner ma feuille blanche par-dessus. De coin à coin, je positionne bien parce qu'après, sinon, ça peut faire des petits décalages. Et au niveau du rendu, bah, c'est pas joli. Voilà, je passe un petit coup avec la main par-dessus. Une fois que c'est fait, je vais tourner mon carré. Donc, à gauche, à droite, peu importe. Vous allez le positionner dans ce sens-là pour venir replier la feuille en deux et faire un triangle. Donc c'est parti, vous prenez votre coin d'en bas ou votre coin d'en haut que vous allez rabattre de coin à coin pour former un premier triangle et un premier pli. Donc là, vous pouvez déjà essayer de rabattre. Vous effectuez un premier pli léger pour voir si ça se met bien de coin à coin, comme ceci. Et puis après, vous pouvez vous munir d'une règle, tout simplement, pour renforcer votre pli, c'est beaucoup plus simple. Ou alors vous faites ça avec un ongle si vous avez beaucoup d'ongles. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez déplier votre feuille de nouveau. Et puis après, vous allez donc reprendre le coin d'en bas que vous allez ramener de façon parallèle au niveau de la première pliure, du premier pli que vous venez d'effectuer, donc la diagonale de votre carré. Donc vous rabattez comme ceci. Vous essayez que ça se rabatte bien au niveau de la pointe ici. Une fois que vous avez une jolie petite pointe, vous pouvez renforcer votre pli. Parce qu'après, sinon, c'est difficile de modifier. Donc là, je reprends ma petite règle. C'est plus pratique. Et je viens renforcer mon petit trait, enfin mon pli. Ensuite, je fais la même chose en haut. Donc je prends mon coin d'en haut que je vais rabattre, pareil, au niveau du pli du centre de la diagonale. Donc là, ça se rabat plutôt pas mal. Il y a un léger petit décalage, mais ça va. Hop, je reprends ma règle et je viens plier. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais tourner ma feuille dans ce sens-là, comme ceci. Donc là, vous avez comme un petit bonnet déjà avec une tête, mais c'est pas vraiment à ça que ça va ressembler. Donc là, vous allez venir rabattre comme ceci. Donc là, c'est un peu approximatif. Vous pouvez aller de pointe à pointe ou aller un petit peu plus en haut. C'est pas très grave. C'est pas parfait au niveau de la mesure. Ça va légèrement changer au niveau du rendu. Moi, je vais de pointe à pointe. Et ensuite, je viens plier à ce niveau-là. Je reprends donc ma petite règle. C'est beaucoup plus simple. Hop, je renforce un petit peu mes traits. Parce que comme il y a deux feuilles, c'est un peu épais. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais venir rabattre donc cette partie-là. Donc là, vous avez déjà le bonnet de votre Père Noël. Donc vous reprenez votre coin, cette pointe-là, que vous allez rabattre. Donc normalement, là, vous avez du blanc. Et quand vous allez rabattre, eh bien, vous allez laisser ici à peu près une distance d'environ 1 cm. Là, encore une fois, c'est pas très grave, c'est approximatif. Et puis vous allez donc plier comme ceci.
vous obtenez quelque chose qui ressemble à moitié à un bateau au niveau de la forme. Donc là, pareil, je reprends ma petite règle. Une fois que c'est fait, je vais reprendre cette partie-là, cette droite blanche. Bon, c'est un peu dur d'expliquer, hein. Pourtant c'est un tuto bien simple. Et je vais de nouveau rabattre pour avoir une petite marge comme ceci, qui, je dirais, fait à peu près 5 mm. Et je vais venir de nouveau plier. Voilà ce que j'obtiens un petit peu au niveau du rendu. De nouveau, je prends ma règle, je m'embête pas, je fais simple. Et alors après, là, il ne reste plus grand-chose à faire, c'est relativement simple. Vous allez prendre cette partie de droite que vous allez rabattre derrière pour obtenir la continuité de cette droite ou de cette diagonale, comme vous voulez, pour obtenir tout simplement un triangle. Donc, on vient plier, comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. On rabat derrière, vous voyez comment ça, ce que ça donne au niveau du rendu derrière. On s'en fiche un peu puisque ça se voit pas. Donc voilà, une fois que c'est plié, ben on repasse un petit coup de règle. Alors après, libre à vous de laisser derrière tel quel. Ou bien de venir coller avec de la colle à papier, moi c'est ce que je vais faire, pour pas que ça bouge. Normalement, en origami, on n'a pas tendance à utiliser de la colle, mais bon. C'est pas grave, on met un petit peu de colle à papier derrière, comme ça, ça bouge plus. Et ensuite, on va pouvoir venir décorer devant avec plusieurs marqueurs pour faire tout simplement les détails de notre Père Noël. Donc là, je vais prendre un petit marqueur noir, Sharpie, mais vous pouvez prendre sans marque, c'est très bien aussi. Donc là, je fais les petits yeux, à peu près à ce niveau-là, les petits yeux noirs de mon Papa Noël, qui est tout content, qui n'est pas super symétrique, mais qui est content quand même. Ensuite, je prends un marqueur rouge et je viens lui faire un petit nez. Tout simple, il n'y a pas plus simple. Un petit nez que je vais faire un peu plus gros, quand même. Alors après, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh bien, moi, j'aime pas trop au niveau du rendu que ce soit trop droit en haut comme ça. Alors déjà, je vais prendre mon marqueur rouge et puis je vais faire un truc qu'il faut pas faire, mais c'est pas grave. Comme il y a une petite différence au milieu, une petite... que je trouve c'est pas très bien, je mets un petit peu de marqueur rouge. Voilà, comme ça, ça se voit plus. Et puis, je vais venir rabattre comme ceci en haut pour obtenir un petit truc décalé au niveau du bonnet du Père Noël. Je trouve que c'est plus sympa au niveau du rendu, mais facultatif, hein, vous faites comme vous voulez. Je viens rabattre, je mets un petit peu de colle à papier. Ensuite, je prends une autre colle en espérant que ça va permettre de faire tenir mon petit pompon, auquel cas de toute façon je vais appuyer et attendre un petit peu, et ensuite eh bien, je vous montrerai le résultat, bien que vous voyez déjà ce que ça va donner. Donc voilà, je vais juste effectuer un petit peu une pression et puis je vous montre ça juste après. Et pour terminer, je prends mon petit stylo gel blanc et puis je vais rajouter un petit détail au niveau des yeux parce que je trouve que c'est plus sympathique que les yeux tout noirs. Voilà à peu près ce que l'on obtient au niveau du résultat. Bon, bah c'est un tuto origami très simple, peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi j'avais envie de le faire, je trouvais ça sympa. J'espère que ça vous aura plu, et puis sur ce, bien, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.